Laurent Desmond, directeur général de Kinomap, start-up spécialisée dans la vidéo géolocalisée, c'est-à-dire que nous connaissons les coordonnées GPS de toutes les vidéos postées sur notre plateforme, et nous sommes spécialisés dans l'entraînement pour les sportifs, les cyclistes notamment, en indoor. Cela faisait 3 ans que nous connaissions Finorpa avant le fameux closing qui a été la levée de fonds que nous avons faite en septembre 2014. Nous avons eu le temps de changer notre stratégie, de montrer que nous étions capables de nous adapter à des nouvelles situations, et ce qui a fait qu'en 2014, enfin, ça a pu se concrétiser. Avec Finorpa, on a vraiment bâti une relation basée sur la transparence. Nous avons eu des doutes à certains moments, nous en avons fait part et je pense que c'est quelque chose qui a été apprécié et c'est réciproque. Nous avons compris les intérêts de Finorpa à éventuellement investir chez nous et donc nous avons bâti sur le long terme une relation de confiance. Pourquoi avoir retenu Finorpa? J'ai envie de dire que c'est Finorpa qui nous a retenus et nous en avons été très fiers. Et en fait, le timing était parfait, nous avions des business angels intéressés, des investisseurs, donc tout le monde nous a dit, si Finorpa y va, nous y allons aussi. De plus, la distance qu'il y a avec notre chargé d'affaires est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment présente pour nous donner de bons conseils et suffisamment éloignée pour ne pas interférer dans les affaires de tous les jours. Finorpa nous a amené beaucoup de crédibilité envers les autres partenaires, d'une part, et puis en fait, depuis cette levée de fonds qui nous a évidemment donné les moyens de financer notre croissance, elle nous a apporté beaucoup de conseils. Nous nous réunissons tous les trimestres en comité stratégique et c'est l'occasion aussi de profiter du réseau de Finorpa.